Alors wesh les gars, c'est G-Loft, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un ancien défi que j'ai déjà présenté en vidéo et qui sera de détruire 3 bornes d'arcade au cours de mission réussie. Donc je me suis rendu compte que la vidéo n'était pas vraiment fiable parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chances de trouver des bornes d'arcade dans Fontainebleau, dans la ville que j'ai présentée. Donc j'ai trouvé un nouvel endroit où c'est pratiquement sûr d'en trouver. En tout cas, il y a plus de chances que dans la ville que j'avais présentée. Donc il faudra aller dans une de ces trois villes. Bon, moi je vous conseille d'aller dans celle-là, chez la foudre, parce qu'elle prendra de 8 à 10 minutes à faire, alors que les deux autres, elles prendront de 15 à 20 minutes à faire, pardon. Et du coup, bah, on va lancer cette ville et on se retrouve quand la game sera lancée. À toutes. Voilà, du coup, là on se retrouve en game. Et du coup, il faudra trouver un endroit pas comme celui-ci, mais ça ressemble. Donc je vous retrouve quand je l'aurai trouvé. Donc les gars, je vous mets trois screens d'un exemple de chalet où il n'y a pas de borne d'arcade. Voilà, du coup là j'ai trouvé l'endroit. Donc c'est un grand chalet. Donc là-bas vous avez la maison que je vous avais montré avant. Et donc faut pas y aller parce que c'est pas le bon endroit. Et donc là ça se voit, c'est à peu près deux fois plus grand. Donc il faudra juste y aller. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà. Et voilà. Du coup on pourra juste monter et casser les bornes d'arcade. Voilà, et du coup bah on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir ce que ça donne. Voilà, et du coup voici la récompense, donc 50 V-Bucks qui s'ajoutent à notre compte. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup moi je vous laisse pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.